J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour un vlog spécial mariage en Afrique. Alors, on va tout snapper. Vous aurez tout dans ce petit vlog. Donc, ce soir, c'est la veille du mariage. Donc, demain, c'est le jour J. Et ce soir, c'est la fête avec un DJ, les danses et tout ce qui va avec. Donc, et demain, on aura le cortège, les photos au musée. Voilà un endroit super que j'ai envie de vous montrer. Donc on verra les photos, le cortège, les nourritures, les cérémonies, les traditions et toute la culture concernant le mariage ici à Sikasso, précisément la troisième région au Mali. Donc c'est parti pour ce petit vlog. Pacha Aya. Et que son flamme est du même. Direct ma tiri. Wallahi, avant tiri, j'y a pas non. Voilà, il est pas déjà tiré dans la main. Pacha, 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 voilà. Come on!
ça a été mené. Les choux continuent toujours dehors, mais moi je vais faire dodo pour que les enfants dorment. Parce que quand moi je suis assis casse, si je ne fais pas dodo, les enfants ils vont pas. Donc je vais aller faire dodo pour que celle-ci puisse dormir. Et demain aussi, c'est la fête, les réveils tôt, voilà, c'est maquiller, c'est faire belle et tout, tout, tout. Ne vous inquiétez pas, vous verrez toutes les tenues. Donc, comment est-ce que moi je serai habillée, comment est-ce que je vais habiller les enfants, comment est-ce que les mariés seront habillés et tout, tout, tout. Donc, vous verrez tout sur ces vlogs. Alors, il y avait d'autres parties de danse, mais je n'avais pas le droit de filmer. Il y avait des chorégraphies des jeunes filles, chorégraphies des jeunes garçons. Vous n'avez pas vu les jeunes garçons parce qu'ils ne m'ont pas donné le droit de les filmer. Voilà. Il me fallait une autorisation pour filmer. Donc, aussi la danse des belles-sœurs de la famille et tout le reste. Donc, je n'ai pas pu filmer. J'ai filmé que pour les petites et pour les petits-petits. Voilà. Donc, et ne vous inquiétez pas, j'ai eu l'autorisation avec les parents. Donc, pour ceux que vous ne verrez pas, je n'aurai pas eu l'autorisation. On s'est dit à demain, je vous reprendrai au réveil. Mais vous, vous restez sur ce vlog. Ça serait le demain pour moi, mais la suite. Je vous retrouve le matin avec mes filles d'honneur qui pensent que je suis en train de prendre des photos. Mais que je suis en train de filmer ma petite nièce. Donc on est au salon, moi je ne suis pas encore habillée, mais les enfants suivent. Ça c'est le plus bonheur. Je m'approche, elles sont toutes sans maquillage, donc elles vont pas être maquillées comme ils sont jeunes. Les princesses qui mangent encore, donc ma maquille en cours de préparation. Devant le salon, je ne suis pas encore maquillée, mais voilà. Vous me verrez après. Je vais essayer de vous montrer ma tenue. On va lover fashion for a réseau bémine. For a nyango bédamine. Ne content n'inté n'inté. Ouai délili la n'inté sengi. Délili la n'inté sengi. Ma mariée elle est prête. Ma mariée elle est prête. Ma mariée elle est prête.
Je suis mariée avec mes enfants. On va passer. Hein? Aïe, monsieur la bota là, un simple refait. Je suis maquillée toute simple. Voilà. Et maintenant, direction à toi là. Direction, voilà, le musée national. On va prendre des photos. Nous serons au stade Bambeba Traoré. C'est ici qu'on fait le photo pour les mariés et autres. Et voici les photos. Parti, je mets de là. Plusieurs mariés de familles différentes et on vient faire les photos ici parce que l'endroit elle est belle, il y a des belles fleurs et autres. Je m'approche pour que vous allez voir. Voilà, je vais vous montrer. Je suis entrée par là. Et je suis en train de marcher jusqu'à là. Il y a nos mariés là-bas, devant. Ils sont en train de faire les photos. Donc, il a un peu plu, quoi. Le temps n'est pas au top aujourd'hui. Mais même avec ça, on fait le cortège. Pas vraiment bon. Le temps est très très nuageux. Donc là, on va quitter le stade. Je suis toujours avec les enfants là. Donc on va aller au musée encore pour faire des photos. Et ensuite, ce sera le cortège pour aller saluer les familles respectives. Et le plus important est à venir, la bouffe. Salon, la maison, la photo, le salon, le quartier, toutes les gâteaux, la maison, on a mangé, ça va, c'est bon, 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 c'est b
partir du mariage que j'ai. Mes amis, il est 14h14 et on a fini de manger tout. Les gens ont fait la prière. Là maintenant, c'est le moment de porter l'uniforme. Vous voyez, c'est l'uniforme que toute la famille devrait porter et continuer le show avec le DJ. Tourne-toi. Voilà, je vous montre la petite. Quarantaine, je vous reprends. Donc, le DJ est dehors, comme vous l'entendez. Il fait son show et au rendez-vous là-bas, il y a les boissons, les pop-corn, les crevettes, voilà, et les gens qui sont en uniforme. Moi, je ne vais pas dehors parce que j'ai un autre programme qui est de faire dodo. Oui, je suis très fatiguée. Depuis hier, je suis en train de faire les courses, les va-et-vient. Donc, du coup, je suis fatiguée. Ce soir, je vais vous reprendre pour vous montrer comment est-ce que ça se passe pour aller chercher la mariée. Enfin, je ne sais pas si j'ai le droit de filmer voilà, cette partie-ci. Du coup, si vous ne voyez pas de ça, demander avec ma maman et elle me dit que voilà, c'est pas très joli de montrer tout ça là sur les réseaux sociaux. Du coup, je vais pas filmer la partie ci. Voilà comment est-ce qu'on va chercher la mariée et l'amener dans la nuit, dans la chambre nuptiale. C'est ça, non? Chambre nuptiale. Voilà, donc on va l'amener ici et on va passer le soir ensemble. C'est la fin de ce petit vlog. Je suis très ravie d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Et j'espère que vous avez kiffé voilà, ce petit partage. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, portez-vous bien. Bye bye. Moi, je vais faire dodo.